Bienvenue dans Démonologiste. Alors, est-ce que Démonologiste est le remplaçant ultime de Phasmophobia ? La réponse est oui et non. Parce que rappelons une chose, Phasmophobia en est à sa version 0.8, quand Démonologiste en est à sa version 0.3. Sauf que, Démonologiste propose idéalement des choses qu'on aurait aimé, adoré, retrouver dans Phasmophobia. À commencer par une mise à jour, un up graphique ultime et absolument incroyable, des screamers et pas que, des animations dans les maps qui sont dignes d'un bon film d'épouvante, et c'est quelque chose qu'on aurait aimé avoir dans Phasmophobia. On reconnaît ici tout ce qui touche à Phasmophobia. Ici, c'est un matériel équivalent d'EMF. Là, c'est la lampe, là, c'est le crucifix, là, c'est la radio, là, ce sont les calmants pour la santé mentale. Et là, nous avons un élément original. Ça permet de déterminer s'il y a des taches ectoplasmiques, l'endroit où se trouve le fantôme. La bougie ici, je ne l'ai pas encore testé, le thermomètre, la lampe à UV ici, c'est un objet qui fait pop la créature et qui l'oblige à interagir. Et ça apporte une preuve supplémentaire. Ce n'est pas dans Phasmophobia et c'est dans Démonologiste. Bref, comme vous pouvez voir, il y a un vrai up graphique, il y a une vraie saveur, un vrai élément ajouté. Pour moi, c'est une bonne surprise. C'est un jeu à suivre, clairement, Démonologiste. Et on a un concurrent sérieux pour Phasmophobia. Maintenant, c'est sain. Ça veut dire aussi que Phasmophobia va tenter de nouvelles choses s'il veut continuer à rester dans la course. Et ça, c'est sain dans l'industrie. Nous avons dans Démonologiste ici trois tableaux. Là, nous avons le tableau de lancement, si on décide d'aller plutôt solo ou multijoueur. C'est là où on détermine également si on a un mode plutôt facile, moyen ou autre. Le mode moyen, on n'a pas accès parce qu'il faut être niveau 5. On gagne des points d'expérience à chaque niveau, à chaque mission accomplie. Et on a une vraie sensation d'amélioration, d'évolution au fur et à mesure qu'on joue à la partie. En gagnant des dollars pour acquérir du nouveau matériel, pour, par exemple, accomplir des objectifs secondaires comme un exorcisme ou alors tout simplement en gagnant de l'expérience qui vont nous permettre, comme vous pouvez le voir ici sur la map, des endroits à visiter, eh bien l'expérience qui va nous permettre de gagner des niveaux pour accéder à de nouveaux endroits hantés. Quand on commence, on est ici, c'est la partie que vous allez découvrir juste après cette présentation. J'ai hâte, moi, de voir l'évolution du jeu. Et surtout, cette sensation, même si elle peut paraître illusoire à certains aspects, cette vraie courbe d'évolution qui donne envie de progresser, de gagner des dollars, de même de manière cosmétique, parce que ici, vous pouvez voir, dans la boutique, on peut gagner de quoi personnaliser notre refuge, notre lobby, quoi, en quelque sorte. Et c'est bête à dire, mais c'est absolument inutile, donc indispensable. Et ce sont des choses qu'on aurait aimé avoir dans Phasmophobia, tout comme, chose ultime, la personnalisation du personnage ici. Par exemple, là, j'ai choisi Jared Leto Wish. Eh bien, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez choisir un homme, une femme. Vous pouvez lui apporter du matos, des shorts, des chaussures. Bref, encore une fois, c'est quelque chose qu'on aurait aimé avoir dans Phasmophobia. À savoir ceci, c'est une chose que, tout simplement, on n'a pas besoin de voir quand on joue en solo. C'est uniquement en multijoueur qu'on voit le skin d'un autre. Or, en ce qui concerne la boutique, enfin, nous avons une boutique qui est plutôt intuitive. Nous avons ici les objets à droite qu'on peut acheter. Et une fois qu'on les a achetés, on peut décider de les faire basculer dans, tout simplement, dans notre partie. C'est très simple. C'est très, très simple. Pas plus compliqué que ça. Là, par exemple, j'ajoute un thermomètre, j'ajoute une bougie. Donc, encore une fois, il y a des choses qu'on aurait aimé avoir dans Phasmophobia. Je me répète, mais Phasmophobia est un jeu cher à mon cœur. La preuve en est, j'ai fait un JDR dessus. Et pour le coup, je suis très curieux de savoir ce que Démonologiste nous réserve. En tout cas, attendez-vous à voir plusieurs épisodes dessus. J'espère que celui qui va suivre va vous plaire. Et je vous dis à bientôt. Je peux éteindre ça? L'homme, c'est sympa, je suis d'accord. Je valide la prédit, Merci, ok, ça. Je choisis la réponse. Théogène, terminé. Théogène. Eh ben, GG. Ok.
Non, oui. Sommes dans le salon. Jeu est très très beau. Hein. Le jeu va avoir probablement une très belle courbe d'évolution. Puis il y a des effets qui sont... Qu'est-ce que c'est que... Wopa. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce couloir là? Je peux pas allumer là? Des bruits de pas là. Où est la lumière? Pour ici, qui est là? Salle de bain, ok. Ok. Comment je peux savoir ce qu'il y a ici? C'est un pas de phénomène. On progresse. Quelques croix. Non. Non, de... Vous avez vu un 5? Est-ce que le VAR peut me valider un MF5, s'il vous plaît? S'amuse à fond, Dream. J'ai pas vu le 5. Hein. J'ai senti l'humidité, mais pas le MF5. Humidité. Pendant une seconde, ben, clip ça. Ok. Donne beaucoup d'amour. Beaucoup trop d'amour. J'en voulais pas des câlins, des bisous tous les jours. Tu es démon. On a
un déménagement apparemment qui se passe plutôt bien. Il semblerait que le voisin fait pas mal de bruit, mais ce n'est pas grave, on va le laisser passer quand même. C'est important de pouvoir prendre ses marques. Oh. Ectoplasme. Je dois pas être foufou fifou niveau santé mentale, on va pas se mentir. Il y a quoi en rouge sur le tableau? Je ne sais pas du tout. Et je suis 91. Je suis Yurei. Il a l'air giga énervax. Ok. Il a l'air giga énervax. Ok. Je n'avais plus joueur. Ou pas tank. Can you talk? Can you speak? Where are you? Can you talk? Can you speak? Can you talk? Where are you? Nom d'un cul! Ça c'est non. Dessin sur la toile, je sais pas. Empreinte digitale, je mettrai non. Yurei ou Nama? Pas pipi, pas pipi, pas pipi. Papipi. Dans la jungle. Can you speak? Can you talk? Where are you? Ok. On a vu comme preuve le dessin sur le chevalet. On n'a pas entendu de preuve sur la boîte à esprit. Il n'a pas répondu. Il n'y a pas d'empreinte digitale, pas température glaciale. Moi, je pense que c'est ça. Nama, que bébé. Débrouille par la gauche. Yeah!